La Villa 3. Nadège Lacroix encore amoureuse de Gabano, elle se confie. Le 28 novembre dernier, Non-Stop Reality assistait à la conférence de presse de la Villa des Cœurs Brisés 3 quelques jours avant son lancement sur NT1. L'occasion de rencontrer plusieurs des candidats au casting, donc Nadège Lacroix. Révélée en 2012 dans la saison 6 de Secret Story, cette dernière a fait ses premiers pas de comédienne après sa victoire sur TF1. Puis elle a fait son retour à l'émission dans la saison 8 des Anges de la télé-réalité. En exclusivité pour Non-Stop Reality, Nadège Lacroix nous a révélé les raisons de sa participation à l'émission de romance. Mes histoires d'amour sont des désastres. Je me suis dit que je pouvais peut-être aller demander à Lucie pourquoi. Ma problématique, c'est que je ne crois pas en l'amour. Je crois au fait de tomber amoureuse, d'avoir les papillons dans le ventre, ça m'arrive. Mais d'avoir vraiment envie de me caser, de me poser avec quelqu'un, je n'en ai plus l'envie et je ne crois plus que c'est possible, nous a-t-elle expliqué. Gabano n'est pas forcément le gendre idéal dans cet entretien, Nadège Lacroix s'est confiée sur son rapprochement avec Gabano dans la Villa des Cœurs Brisés 3. C'est mon pote depuis des années, au bout d'un moment, j'ai commencé à le regarder notre œil, il est quand même plutôt canon et il est intelligent, ça a été un peu rock'n'roll entre nous au début. Je me suis un peu attachée et je n'aurais pas dû parce que c'est mon pote et il n'est pas forcément le gendre idéal, a-t-elle confié. Et de poursuivre, on est de grandes gueules, donc ce n'était pas facile. Mais ça reste un très bon souvenir. A-t-elle réussi à tourner la page? J'essaie, a-t-elle répondu. Et de révéler, on ne va pas se mentir, mais j'ai encore des sentiments pour lui. S'il a envie de se poser vraiment sérieusement avec une nana, je ne serai pas contre. Confidence exclusive recueillie par la Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non-Stop Reality.